Salut, c'est Wendy. Et coucou les coupins, c'est Lorelai 8. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite de... Black Sad, sous la peau. Under the skin. Non, on m'a dit les titres en français. On a laissé la lumière. Donc, chat noir. Chat noir. Pourquoi chat noir? T'es pas Black Cat, hein? Pas Black Cat cigarette? Alors, triste noir. Le triste cire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais éteindre la lumière, peut-être? Laquelle? Ici? Bah oui. T'en vois d'autres, des lumières allumées? Attendez. Non, je sais pas, on était mieux dans la pénombre. Ah bah oui, carrément, oui. Bon, excusez-moi. Alors. Comme d'hab, on a toujours aucun respect pour les oreillers. Ouais, voilà. Donc, oui. Il s'est passé quoi dans la dernière session? Alors cette fois, celle-là, elle est un peu plus fraîche, donc c'est bon, ça va le faire. Donc on avait continué l'enquête et on avait quand même bien avancé. De un, on a enfin admis et prouvé à peu près que Jordan avait été assassiné et ce n'est pas un suicide. De deux, on a mis fin au mensonge de Marie, parce que Marie, on n'en pouvait plus, hein. Marie, elle arrêtait pas de nous mentir. Et caché Bobby Yale, qui s'avère en fait de parfait inconnu, en fait c'est son neveu. Donc on a trouvé Bobby Yale, qui nous a fait une crise cardiaque en essayant de nous tabasser. Donc il a fini à l'hôpital. À l'hôpital, Sonia a rendu visite et Sonia a voulu buter Bobby. Voilà, voilà. Et donc, nous voici de retour au gymnase, et on va aller discuter avec ce bon vieux copain Jake. C'est ça, tout à fait. On a aussi croisé la route de O'Leary, avec lequel on a eu une charmante discussion à propos de corruption, de désobéissance constitutionnelle, voilà, voilà. Ce qu'il fait, c'est légal, évidemment. Et donc Jake travaillant pour O'Leary, la prochaine étape, je suppose, c'est d'aller voir O'Leary de manière infiltrée. Peut-être. Peut-être. Ce n'est qu'une supposition. Mais il faut qu'on continue de creuser, parce que du coup, Bobby... Direct, le sens du félin. Yeah. Bobby n'a vraisemblablement pas tué Joe. Celui-là. Mais on essaie de lui faire porter le chapeau. Il, quoi, comment, pourquoi? Sachant que le combat de Bobby et du champion en titre de boxe prévoyait d'être annulé. Voilà, il y avait des raisons de tuer Joe, mais pourquoi s'en prendre à Bobby? Pourquoi lui faire porter le chapeau? I don't know. Il y a des histoires raciales aussi, enfin bref. Il y a de tout. Il y a à boire et à manger dans cette enquête. Voilà, allez, il va bien mon résumé? Ouais. Et les essences du félin, ils ont dit quoi? Il sent la sueur. Non. Il se bat, il est costaud. Juste explorer. Ouah, c'est un bon grand gaillard. Juste regarder un petit peu. Salut Jake. Pas maintenant, John. Comment ça, pas maintenant? Il traîne avec le même short depuis Dieu sait combien de temps. Il n'a pas inventé l'eau froide et il manque carrément de tact. Est-ce que je peux lui faire confiance? Non. Est-ce que je le considère comme un ami? Oui. Voilà. J'espère qu'il ne sera jamais d'humeur à me cogner. Il fait deux fois ma taille. Ouais. Bon, pour le moment, on peut pas lui parler. Et si tu sonnais la cloche du ring? Attends. Pour mettre fin au combat. Je vais juste. Tu vas aller voir Sonia? Elle est plus là, non? Elle est partout au gymnase, si. Non. Mais donc, on peut peut-être fouiller. On peut peut-être fouiller un petit peu plus. Ou pas. Oui, elle a l'air de rien avoir du tout. Ah! Oh, le pétrolier, quoi. Je suis bloqué.
Oh non, j'ai coincé derrière le bureau. Si vous faites derrière mon bureau. Non, y a rien du tout. Non, rien. Bah peut-être oui, la cloche, peut-être. Mais j'avais pas l'impression que je pouvais interagir avec, mais bon, je vais vérifier. Merci. Bon allez, c'est bon. Pause. Va souffler. Je vais te défoncer, John. Non mais c'est bon. Oh my goodness. Quoi, John? Tu vas te calmer. C'est assez important. Bah on a le temps, donc. Où est le QG d'Oléry? Pourrais-tu me dire où se trouve le quartier général d'Oléry? Hein? Pourquoi faire? Oh non, tu vas m'attirer des ennuis, pas question. Je sais pas. Faut le convaincre, hein, de toute façon. Oui. Tu m'as menti hier, mais vu que je suis ton ami, j'ai gardé ton secret. Tu m'es redevable. Je ne pense pas que je continuerai à te protéger si nous n'étions pas amis. Si nous étions amis, tu n'aurais pas hésité une seconde à m'aider. Dis-moi, Jake, on est amis ou pas? Foutu chat. Ok. Oh là là, jouer sur l'amitié, quoi. Oh, les Nakama Power, quoi. Je sais même pas comment y entrer. Aurais-tu remarqué quelque chose de bizarre chez Sonia? Je sais pas, hier elle a dit qu'elle détestait le gymnase, mais elle a l'air de vouloir se battre pour le sauver. T'y comprends quelque chose? Parce que moi, non. Bah non, mon gorille, on comprend pas très bien. Puis elle a voulu descendre, Bobby. Gens sont prévisibles et incohérents. Ouais, gens sont prévisibles et incohérents. Les gens sont comme ça. On dit un truc et on fait exactement le contraire. Vouloir un peu de cohérence, c'est vraiment trop demandé. T'es l'entraîneur de ce type? Ah bah ouais, t'es pas au courant? Sonia m'a demandé de m'occuper du gymnase. Enfin, de la partie marrante. De la partie marrante. Si elle sera remis sur pied, je ferai de lui un champion. Avec moi, il va en faire de la bouillie de ce tour. Oh! Tu verras. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, c'est cool! C'est la première fois que tu entraînes quelqu'un? Ouais, mais... Tu me crois pas capable d'y arriver, c'est ça? J'ai pas dit ça. Eh bah va te faire foutre. Ce combat, on va le gagner. Bon, eh ben, à ce soir. Ne sois pas en retard. Ronald, fin de la pause. Après 30 heures de boulot et quelques bonnes raclées, tous les os de mon corps aspiraient à retrouver mon lit. Allez, à mon tour. Je suis donc rentré chez moi afin de reprendre des forces. Par la nuit. Allez, tiens. Je vais te montrer comment on boxe. Ah bah oui, hein. Voilà, on a toute une soirée à charger, on a changé de lieu, Ouais. Ça devient complexe. Ça fait un peu trop de choses. Que sais-tu à propos de ce sous-sol? Bah alors laisse-moi réfléchir. Rien. Jake, ne te fous pas de ma gueule. Réfléchis. Creuse-toi un peu les méninges, tu dois bien savoir quelque chose. Je suis passé prendre Oléry plusieurs fois ici, mais on m'a toujours fait attendre en salle. Une fois, il était si tard que le restaurant avait fermé. Ils m'ont demandé d'appeler depuis le téléphone de cette ruelle là-bas, pour les prévenir que j'étais arrivé. Quelques minutes plus tard, Oléry est sorti par derrière, par la porte rouge là. Bon, tu vas rester près du téléphone. Moi, je vais entrer. Si tu vois quelqu'un, tu appelles le même numéro que la dernière fois. Tu laisses sonner deux fois, et tu raccroches. Va te faire foutre. Une nuit clairement des plus prometteuses. Ouais, je te le promets. Mmh. Alors...
observant un petit peu ce qui se passe par ici. Je regarde au cas où si aux alentours il y a quelque chose. Ah, une carte, bah bien sûr. Dans une benne. Parce que les cartes, c'est très important. Pour le scénario, voilà. Primordial. Primordial, ouais, c'est ça. Hein ? Attends, je peux voir un truc, là. Ça fait un peu haut pour grimper. Encore faut-il que le sous-sol que je cherche soit dans ce bâtiment. Mm-hmm. Dac. Oh. Ah, il y avait un texte qui a disparu. Tant longtemps. Okay. Ok, merveilleux. Ça m'aide beaucoup. Hmm? Se pourrait-il qu'il s'agisse d'un puits d'ascenseur? Comment ça s'ouvre ce truc? C'est une bonne piste pour rentrer un peu discretos. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut se tailler. Tu trouves que j'ai l'air pressé? Il y a une trappe. Il y a une sorte de trappe juste à côté du restaurant. Ça te dit quelque chose? Le resto ou la trappe? Ok, laisse tomber. T'as fini? À ton avis. Vise-moi un peu ce graffiti. Vous êtes sur le territoire d'Anglington. Ça alors? Je croyais que la guerre des Tongs était finie depuis des années. Quelqu'un a peut-être fait une petite crise de nostalgie. Putain de mafia chinoise. Ah bah oui, c'est sûr que les mafias américaines sont tellement mieux. Pourquoi ça prend si longtemps? Eh oh, tu veux ma place? Bon, je retourne dans la ruelle. Je te préviens si j'ai besoin de quelque chose. Alors, comment on active cette trappe? Je pense que le mieux, ce serait d'utiliser cette trappe pour rentrer. Déjà... Est-ce qu'on a fait tous les points d'intérêt? Ouais. Bah, je pense qu'on n'a pas le choix. On va aller au niveau de la porte, hein, déjà. Ok, donc on voit des choses. J'imagine que ça doit s'allumer lorsque quelqu'un sonne à la porte de devant. D'accord. Il y a un fusil. Il a vraiment besoin d'un fusil à pompe pour accueillir les fournisseurs. S'apercevrait-il de ma présence si j'entrais? Quelque chose me dit qu'il me remarquerait si j'essayais d'entrer. Ouais. Ça mène peut-être au sous-sol. D'accord. Bon, on a fini d'observer, je pense. À moins qu'il faille passer par là pour descendre plutôt que par le couloir. MDR. Le garde, il a l'air MDR. Ok. Moi, j'opterais pour la trappe. Encore faut-il trouver comment qu'on l'ouvre. Ça. Non. Ça, c'est un second. Le plan ne fonctionnera que si O'Leary ne se doute pas de ma présence. Mmh. Ah. Si seulement je pouvais atteindre cette boîte. Bah t'as un costaud avec toi. Quoi? J'ai vu deux chemins possibles pour accéder au sous-sol, mais... Tu crois vraiment que je vais pouvoir t'aider là-dessus? Je retourne voir ce que je peux trouver. Toi, ouvre l'œil. Ah, nul. Ah bah écoute, hein, c'est un peu compliqué. Fallait que je fasse l'action d'essayer pour pouvoir demander à... Jake, Jacques, tu nous aides? Quoi? J'ai besoin de ta force brute, Jake. Eh ben alors,
le petit chaton est pas assez... Et de ton silence. La gueule qui... On est blasé. Ah quand même hein. Rossignol, let's go. Ah merde. De la haute précision. Ah ça c'est pas mal. Ça, ça va nous faire descendre directement au sous-sol. Là, on n'a pas le choix. Bye, boy. Il y a des questions qu'on se pose que lorsqu'il est vraiment trop tard. Du genre ? Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi alors, j'ai fait ça ? Contre la montre. Trouver une source de lumière avant que le briquet ne s'éteigne. Ah. Ok. Bah, c'est pas les boutons. Hein. Ah, attends, oui. Non, c'est une carte. Ça, c'est les boutons, mais c'est les boutons de... De l'ascenseur ? Bah, je pense... C'est bien pas non. Pas parce que déjà qu'on voit pas grand chose. Je ne sais pas. Examiner le côté de l'étagère. Le côté de l'étagère. Je sais pas, il me propose de rien. Non. Non. Alors, faut que je lève, je monte le briquet. Ah. Ah, là. Alors. Activer nouveau point d'intérêt, ok. Non mais attends, j'enchaîne les trucs. Ça ne veut pas bouger. Moi qui m'attendais à tomber sur des cadavres congelés. Bah non. Dommage. Une carte. Évidemment. Une autre carte. Oh. Yep. Et c'est mardi. Ah, fonctionne. Ok. Mm-hmm. Des bureaux, ok. O'Leary a des amis partout.
Minecraft. Primordial, te dis-je. Toujours un peu galère, hein, quand même. C'est galère pour un pouvoir... Un peu raide. Les chances en faveur de Stone sont écrasantes. Je sais que c'est le champion en titre et que Bobby Hale n'est qu'un challenger, mais... se pourrait-il que des rumeurs sur son hospitalisation aient circulé? Ah, nouvelle déduque. Oui, on pourra faire une déduque. Ok. Il y en a un sur chaque table. Sauf sur celle-ci. De l'américain, ok. Ok, baseball, Bax. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à observer? Sûrement. Ah, il y avait quelque chose. Ah, c'est la porte. Voilà. La vache. Je ne m'imaginais pas qu'on pouvait placer autant de paris sur un même match de baseball. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit gadget qui fait les calculs tout seul. On n'arrête pas le progrès. 16 jours avant le combat. Parfois, j'oublie que les criminels, même ceux qui bossent dans les bureaux, ont une famille et des enfants. Tout n'est peut-être pas si noir du côté obscur. On dirait un résumé de tous les paris placés. Jour, montant, pari, parieur... Et la minute. Et en personne a misé 5000 dollars sur Yel. Ah ouais ? Intéressant. Alors, est-ce que ça vaut le dire? Et comme il a parié gros. Ah, il a carrément. 13 des bois. C'était quoi cette ombre dégueulasse? Passe pour parier. Oh. Serait-ce en Irlande? Magnifique tableau. Pardon. À tes souhaits. Ah. Ah, Mir. Ah putain, oui, merci parce que. Quoi? Le tableau dissimulait une multitude de dossiers sur des célébrités en tout genre. De S à Z, il concernait en grande majorité des athlètes. O'Leary parlait-il de cela lorsqu'il disait que les détectives et la police étaient ses amis? Combien d'espions a-t-il donc disséminé un peu partout? Et si moi je choisissais de collaborer, qui pourrais-je bien espionner pour lui? Stone? D'après le dossier sur Stone, ce dernier était tellement clean et résistant à la corruption qu'O'Leary s'était vu contraint d'opter pour une stratégie plus subtile. Apparemment, après avoir rompu avec la joueuse de tennis Helen Moore, il s'était arrangé pour la caser avec Stone. Les deux ayant bien accroché, il avait réussi son coup. Et alors que je rangeais le dossier, quelque chose attira mon regard. Avais-je vraiment envie de savoir ce qu'O'Leary avait déniché sur mon grand ami, l'incorruptible commissaire? Fais confiance à Smirnoff. Pour être honnête, si Smirnoff avait quelque chose à cacher, je préférais vraiment ne rien en savoir. Vas-y, Bobby. C'est bon. Bobby Yale. Le dossier concernant Bobby Yale ne contenait qu'une feuille de ses incroyables statistiques d'aspirant champion. 20 victoires, dont 16 par KO. Néanmoins, en bas de la page, quelqu'un avait souligné plusieurs fois un unique mot. Intouchable. D'accord.
Thorpe avait été une star montante du football américain avant la guerre. Il en était revenu avec les honneurs et plusieurs décorations. Après l'armistice, il avait repris sa carrière et remporté 3 championnats, ainsi que quelques trophées de meilleurs joueurs. Mais il s'était retiré après un accident qui l'avait laissé paraplégique. Il avait alors lancé sa propre société de promotion des sports 4 ans auparavant. Et apparemment, O'Leary n'avait jamais tenté de le corrompre. D'accord. Ok. Ok, ok. On a autre chose pour ce tableau ? Non. On va regarder les autres ? Peut-être d'autres choses. Non, on va avoir des déductions de fou. Voilà, pour le moment, on n'a toujours qu'une déduction. Il n'y avait pas un autre tableau que tu avais observé ? Tu peux ? Putain. Ah ! Oh là là, c'est... J'ai vu qu'il y avait une carte ici, mais il veut pas la prendre parce que je ne sais pas pourquoi. Un autre. Ah un. Tiens donc, le recueil de poèmes. Édition limitée, exemplaire 2 sur 3. Un oiseau dans l'enchantement, rossignol avec véhémence. Nous écouterons si tu veux sa sentimentale romance, car il lune dans tes cheveux. Ok. Merci, petit poème. S'ils ne sont plus ensemble, pourquoi O'Leary conservait-il autant de photos de moments romantiques avec Eleanor ? Ouais. Ah, voilà. Ah, y est, c'est bon, tu l'as, ta carte. Oui, on sait, mais pour le moment, je fouillais les infos déjà. C'est bon, on n'a plus rien à regarder dans les tableaux, on a tout vu. Et ce tableau-là, il veut pas. Non, il y avait peut-être rien. Et nous. Le dossier sur Hélène Moore était de loin l'un des plus juteux. Elle n'avait été qu'une joueuse de tennis ordinaire jusqu'au jour où O'Leary avait lancé sa carrière en truquant suffisamment de matchs pour lui permettre de grimper dans les classements. Cependant, O'Leary n'avait plus trafiqué un seul de ses matchs depuis plus d'un an. Et malgré tout, elle était demeurée invaincue. Une chose était certaine en tout cas. O'Leary disposait de bien plus d'informations que nécessaires pour ruiner sa carrière. Jake ? Ah non, notre cher Jake. Aussi étrange que cela puisse paraître, le dossier mentionnait qu'O'Leary avait recruté Jake comme garde du corps précisément parce qu'il était au-dessus de tout soupçon. Apparemment, O'Leary appréciait d'être entouré de gens honnêtes lorsqu'il allait se pavaner dans la haute société. Bon, au moins... Bon, ça veut dire qu'au moins Jake, il a rien à se reprocher. C'est ça. C'est bon, on a tout regardé. Ah, on en a un deuxième. On a beaucoup de déductions. Non. C'est quoi ce poisson là au milieu là ? C'est Morgana. Morgana poisson. Je dirais que c'est aussi en Irlande. On aime bien l'Irlande. Ouais. Lumière, oui. Maestro. Ou alors il est irlandais, peut-être. Tout simplement. On a plein de trucs à regarder, là. C'est bien, ça nous fait... Les dossiers couvrant les lettres de N.A.R. ne concernaient apparemment personne que j'ai pu relier à l'affaire. Une chance ? Difficile à dire. Ouais. Bon, finalement, il n'y avait rien. Rien d'intéressant. Pas dans celui-là, on peut... L'Irlande, bien sûr. Ça tourne à l'obsession. C'est rigolo, c'est lampe. Le système de lampe. Que tu lèves pour allumer. Frank. Frank Cassidy. Ah. On sait très peu de choses sur lui, donc allons-y.
Le dossier sur Cassidy était probablement le plus chargé de toute la bibliothèque d'O'Leary. Leur rivalité remontait apparemment à longtemps, et ils avaient souvent fait appel à des techniques particulièrement tordues afin de s'espionner mutuellement. Merveilleux. Mais j'avais au moins trouvé de quoi confirmer ce que Yale m'avait raconté. Cassidy avait menacé Dunn après que ce dernier ait refusé de rejoindre le syndicat des managers. D'accord. Donc ça correspond à ce que nous a dit Bobby Yale. Il y a même Avenarius, dis-nous. L'intégrité de Dunn était légendaire, même dans les rapports insidieux d'O'Leary. Comme Yale l'avait raconté, Dunn avait effectivement viré du gymnase l'un des hommes d'O'Leary lorsqu'il l'avait découvert en train de fouiller. Ok. Allons-y pour Avenarius. Personnage bien mystérieux. Le dossier concernant le père de Yale était le plus court de tous, étant donné qu'il ne restait que son nom. Pourquoi ? Dossier vide. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Un Crossler. La bonne nouvelle, c'est que je n'aurai pas besoin de mon rossignol pour l'ouvrir. La mauvaise, c'est que j'ai oublié mes explosifs à la maison. Peut-être éviter de faire péter le coffre. Bon, et ben c'est très bien. Attends, si là il y a un truc. Une carte ? Non, il y a un tiroir que je peux fouiller. Même Dunn avait une arme dans son bureau. Alors O'Leary n'allait certainement pas faire exception. Bah oui. Dunn avait $200 dans son coffre. O'Leary en avait dans les 20 000, dans un tiroir. Enfin, les mêmes préoccupations au niveau de l'argent. Bon, ben, on va sortir. On a allumé les lumières. Ouais, c'est la discothèque là-dedans. Ah. De coup... Jake. Quelqu'un arrivait. Franchement, on n'est pas des employés modèles. Nous voilà au beau milieu. Cache, cache. Quoi ? Pourquoi ici c'est interdit ? Pourquoi ici non ? Ah bah... Ah bah je suis mort. Et c'est le DSI. Raté. On recommence. Bon bah déjà on a un succès de foutu. Ouais, Jake. Bah s'il y avait un succès, ne pas mourir. Ouais. Quelqu'un arrivait. Franchement, on n'est pas des employés modèles. Nous voilà au beau milieu de la nuit. Donc, de l'autre côté. En train de faire des heures sous. Alors, Jimmy, t'en penses quoi, hein ? Je pense qu'il est en train de se chier dessus, Desmond. Mais pourquoi, Jimmy ? On a sorti le tapis rouge pour toi. On t'a même amené dans le bureau du patron. T'en as de la chance, toi. Tu peux pas dire que je te traite pas comme un prince, Jimmy. Bonjour. Réponds, connard. Oui, bien sûr, comme un prince. Mais pourquoi vous... Du calme. Depuis combien de temps tu bosses pour moi, Jimmy ? Trois mois. Ah oui, je t'ai embauché juste après la mort de ton cousin Marty. Alors dis-moi, Jimmy, toi, qu'est-ce que tu ferais d'un type qui fauche un innocent avec sa bagnole avant de prendre la fuite ? Je sais pas. Je sais pas. Oh, et toi, Wilson, qu'est-ce que tu ferais ? Non, je vous en supplie, non ! J'ai rien fait du tout, je vous jure. Donc là, on ne peut pas sauver ce pauvre homme.
C'était un type bien. Mais ça, tu le savais déjà. Tu le connaissais mieux que moi, pas vrai? C'était mon cousin. C'est pour ça que je t'ai engagé, Jimmy. Tu vois, Martine était un très bon ami. Et sa veuve nous a assuré que t'étais un chic type. Et que tu ferais du bon boulot. Et que t'avais besoin d'argent. Et moi, j'aime aider les gens dans le besoin. Mais... tu sais quoi? Hier, j'ai discuté avec elle. Elle nous a raconté ce que tu lui avais fait avec ce flingue, Jimmy. Non, c'est pas une façon de traiter une femme. Elle a menti! Pourquoi j'aurais fait ça? Et pour le gosse, Jimmy? T'es vraiment sûr de savoir combien de temps un gosse peut retenir sa respiration? Avec la tête dans la culotte des chiottes? Fils de pute! Je voulais pas faire ça! C'était son idée! C'était un peu égoïste, mais j'étais plutôt content de ne pas avoir risqué ma vie pour sauver un certain Jimmy. Alors oui, on aurait pu arguer que même un type comme lui ne méritait pas de mourir. Mais il m'a semblé d'autant plus vrai qu'une personne comme moi ne méritait pas de mourir pour un type comme lui. Ah. Qui a fait ça? Je veux un nom. Cassidy, c'était son idée. Il a dit que vous m'engageriez si j'arrivais à effrayer la meuf. Ok, ok. On se calme. Ouais. La veuve et l'orphelin. Il y a deux principes dans la vie que je considère comme sacrés. Le premier, c'est l'amour de ma famille. Je ferai n'importe quoi pour la protéger. Le second, c'est de ne jamais laisser mon avenir entre les mains du hasard. Je joue toujours la sécurité. Et je crois que je pourrais même y ajouter un troisième principe, ou plutôt une règle. Si quelque chose met en danger l'un de ces deux principes, je préfère prendre les choses personnellement en main. La première fois que j'ai fait tuer quelqu'un, même si je me suis contenté de... Non, mais arrête de m'interrompre. C'est très mal poli, on ne t'a jamais appris ça. Allez, tu sais quoi? On va en rester là. Oui, tu vas apporter un message à ce gros tas de graisse de Cassidy. Oui, tout ce que vous voudrez. Bon toutou. Quel message? Oh, Jimmy, voyons. T'as toujours un sujet, hein. C'est toi. C'est toi le message. Allez, emballez-moi ça. Assurez-vous que Cassidy ait le message. Au petit déjeuner. Ok, les gars? Compris. Bon appétit. Où est-ce que tu te caches, mon petit bubule? Une fois de plus, tu n'as pas entendu la fin de mon histoire. Ok, bon. Bon, d'accord. Mais où tu crois aller comme ça, mon gros minet? Mon gros minet.
Dans la vie, il y a deux principes que je considère comme sacrés. Oui, on sait. Le premier, c'est l'amour de ma famille. C'est peut-être pas une bonne chose de sonner, en fait. Le second, ne jamais laisser mon avenir entre les mains du hasard. Je joue toujours la sécurité. Je crois que je pourrais y ajouter un troisième principe, ou plutôt une règle. Si quelque chose est en danger l'un de ces principes, je prends les choses en main. La première fois que j'ai fait tuer quelqu'un, même si je me suis contenté de le dénoncer, eh bien le gars a terminé dans l'Hudson, après un joli plongeon du quai 27. Il a dû servir à nourrir les copains de mon poisson. Si vous aviez pu voir sa tête. Les choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez que vous allez mourir sont toujours assez surprenantes. Ainsi, j'ai subitement réalisé à quel point j'avais envie d'avoir un aquarium. C'est quoi, je vais devenir un poisson? Ma décision était prise. J'allais m'acheter un poisson. Mais d'abord... Pour moi, désormais, que j'appuie sur la gâchette ou pas, c'est du pareil au même. Limite même, j'adore ça. Bon, la sens du félin, déjà. Au cas où quelqu'un aurait le moindre doute sur l'identité du patron, je vais poser mes pompes dégueulasses sur cette table luxueuse, histoire de prouver qu'ici, tout m'appartient. Ce type n'hésitait jamais à appuyer sur la détente. Même si je n'avais pas vu ce qu'il avait fait à Jimmy, je n'avais aucun doute sur le fait qu'il ne rigolait pas. Il est très confiant, regardez-le. Ses pupilles sont dilatées et son visage est déformé par un léger sourire. Ce salopard s'amuse comme un petit fou. La photo, peut-être ? Oui. Lorsqu'un parrain de la pègre vous parle de son amour de la famille, il n'y a que deux interprétations possibles. Petit A, il n'hésitera pas à briser la vôtre. Ou petit B, il trompe sa femme. Ah. En dépit de la tournure qu'avaient prise les événements, je savais au fond de moi que je possédais les ressources pour me tirer de ce mauvais pas. Ah, faut qu'on fasse des déductions. Waouh, on en a un milliard à faire alors. On en a six, ah oui, putain. Alors, O'Leary prétend jouer un amour inconditionnel. Attends, je non, pas ça. Ah, les smells. On peut regarder ça. Ah non, même pas. Bah comme il l'a dit avec la photo de famille, soit c'est l'amour inconditionnel avec sa famille, soit il trompe sa femme. Donc... Bah ouais, attends. Mmh. Ah, c'est... C'est pas la femme d'O'Leary, justement. Totalement. J'y crois pas. La femme d'O'Leary a une liaison avec Colbert. Devrais-je servir cette info à O'Leary sur un plateau d'argent? Ou bien menacer Colbert pour qu'il me sorte de ce merdier? Bon, eh bien... Je crois que c'est tout. Ah oui, là, en fait, il fallait une déduction pour... Vous savez quoi, Black Sad? Je crois bien que je n'avais jamais... Félicitations. Vous allez quitter la scène avec style. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Colbert? Colbert, vas-y, je dis Colbert.
Je ne voulais pas vous interrompre étant donné que je vous respecte et que je respecte votre parole. Mais c'est Colbert qui m'a demandé de venir. Quoi ? Moi ? Mais non ! Tu as fait quoi ? Colbert ? Mais quand ça ? Au téléphone ? C'était au téléphone, il me semble, non ? Bon, bref, il y avait ce type bourré, là. Tu te souviens, Eugène ? Non. La femme d'un autre, comme ça, ça le... Il arrêtait pas de parler, il se vantait de se taper la femme d'un autre, tout ça. Oh, ah oui, oui, oui. Quelle époque, hein ? Eh ouais. Et après, tu m'as félicité pour avoir retrouvé Yale et pour t'avoir sauvé la vie. Bah oui, plusieurs fois. Le riche montrerait reconnaissant. Ouais, tu m'as assuré que le riche montrerait. Ensuite, tu m'as assuré qu'Oliri saurait se montrer reconnaissant. Ouais, enfin, j'ai pas tout à fait dit ça comme ça, mais. Ouais. Et donc, tu m'as conseillé de passer pour voir ça directement avec le patron. Ouais, c'est assez mérité, il me semble. Pas vrai, Desmond ? Oh, Black Sad, Black Sad, Black Sad. Je vous remercie. Et désolé d'avoir tiré des conclusions hâtives. D'abord, Wilson vous a rudoyé sans raison. Et maintenant ça. Vous m'aviez pourtant donné de bonnes raisons de vous faire confiance. Après la visite de l'appartement de Yale. Comme vous le savez, dans ce monde, on ne peut faire confiance à personne. Prenez-le, c'est mérité. Qu'est-ce que je fais ? Je sais pas. Non ? Très bien, je comprends. Pas de soucis. Absolument aucun. Oh, Black Sad. Juste comme ça. Ne trouvez-vous pas l'heure un peu inconvenante pour me rendre visite ? La chose avait certes son importance, mais je n'irai pas jusqu'à parler d'urgence. Cela aurait très bien pu attendre demain, ne pensez-vous pas ? Oui, c'est tard que ça. Les chats et les loups chassent la nuit, je veux dire ça. Les chats et les loups préfèrent chasser la nuit. Je pense que si t'avais dénoncé le secret de Colbert, il se faisait descendre là, physiquement. Oui. Sans sommation. Ça aurait été. En fait, le flingue aurait passé de nous à lui. Sans sommation. Ça m'aurait plu d'être un auteur de romans noirs. Par exemple, là, j'aurais pu caser quelques remarques ironiques du narrateur récapitulant ce que je venais de vivre. Les ruelles sombres et tortueuses de New York m'évoquaient mes états d'âme. Ouais. Bof. L'ombre de l'automne s'étendait sur... L'automne s'abattit sur moi avec la force des beaux jours perdus. Ça le fait moyen. L'automne m'écrasa de tout son poids, aussi pesant que ma mauvaise conscience. C'est un éléphant ? N'importe quoi. What the hell ? C'est une idée de montrer des ombres plutôt que directement. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il veut qu'il... Vite, observe le bras ! De ce moment, on cherche à... L'automne s'insinuait dans mes os, comme la douleur après une bonne dérouillée. Médiocre,
mais approprié. Super. Ouais, ok.